Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du catalogue CQ 2020. Donc, quand je suis allé faire mes petits achats quotidiens, on va dire, je suis tombé sur le catalogue CQ 2020. Donc, je vais vous le présenter dans cette courte vidéo. Donc, c'est un petit catalogue, hein, voilà. Franchement, on va faire un petit tour comme ça ensemble des nouveautés. Voilà, vous allez regarder en même temps que moi et franchement un peu déçu quoi. Ah, je suis un petit peu allant, c'est ce qui est prévu pour mars 2020. Un petit buggy sympa. Ouais. Petite Bugatti Chiron, nouveau coloris. Ouais. Moi, ce que je retiens, c'est la petite chargeur là, sympa, l'ensemble de course avec la remorque, chargeur Challenger. Ça peut être cool pour mars. Ensuite, toujours mars, un gros tracteur pour juillet, juin plutôt. Pas grand chose. Si ça, ça va être sympa, ça. Je pense que Nico, ça devrait te plaire. Un petit Volkswagen avec un auvent qui s'ouvre, ça peut être cool. On va voir ça ensemble, après ça va être plus... Il y aura les références de marquer. Donc là c'est pour septembre les nouveautés. Petite Mustang jaune. Rien, franchement... Voilà, un petit peu déçu moi. Perso, un petit peu déçu, donc ils continuent un petit peu dans leur lignée, malheureusement. Donc il y a des bateaux, il y a des jeux, des garages, voilà, des garages, des segments de route, du diorama, station service, des petites fermes, bon, bien sûr, CQ spécialiste, donc voici les modèles. Qui sont pour 2020 qui aura au catalogue. Voilà, petite Weissmann, donc toujours des coloris assez flashy. Porsche Carrera, Porsche 911. Donc voilà, CQ, faut le dire, au niveau des Porsche, on est bien quoi. Lamborghini Aventador, Veneno. La Chiron que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. La Veyron Grand Sport, déjà présenté aussi. R8 Speeder, 4C en noir. Ça là, je sais pas si je l'ai en noir. Bizarre. Il y a un trou là. Apollo IE, déjà présenté aussi sur la chaîne. Gumper Apollo, pareil. McLaren Senna, nouveauté. Donc pour septembre 2020. Lotus Elise, elle est sympa. Je l'ai déjà vue. Elle est cool. Jaguar type R, F type R, elle est cool aussi, très bien réalisée. Dodge Challenger SRT L4, sympa. Chevrolet Corvette ZR1 donc pour janvier 2020. La petite Mustang GT pour septembre 2020. Ford GT. Audi R5 Racing, RS5 Racing, ça peut être sympa, ça, une nouveauté juin 2020. BMW M4 Racing 2016, pas mal aussi. Formule 1. SLS, je vais mettre là comme ça, je verrai mieux. Voilà, les Mercedes traditionnelles, c'est celui du vu et revu. La E350D, pas mal, joli paquebot. La Bentley Continental, toujours au catalogue, je l'ai déjà présenté aussi, elle est cool. La GT V8 convertible Continental, super cool aussi. I8, sympa. M3 coupé aussi, un beau modèle. Bon, il y a des beaux modèles, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, ils mettent toujours les mêmes d'année en année. Ils changent des fois les coloris, mais... 520 e-touring, c'est vrai qu'ils sont vachement fournis en allemande. Donc là, la présence d'un nouveau moule, le buggy,
Buggy pour mars 2020. Jeep Wrangler, Mini Countryman. D'ailleurs, il y a un coffret avec les Mini Countryman. Fiat 500, Volkswagen Beetle, Cabrio, Beetle Pink, avec un ensemble d'autocollants qu'on pourra rajouter, des calcos. Ford F-150, ça peut être sympa. Faudra le voir en main, mais à mon avis, ils peuvent faire du sympa avec ça, quoi. Pour mars 2020. Audi Q5, Range Rover, il est sympa, hein. Je l'ai vu, il est beau. Bon, après, voilà, c'est toujours les mêmes jantes, mais bon. Porsche Macan Turbo. Alors là, en rouge. Kia Sorento, il est sympa, mais ils auraient pu sortir un nouveau coloris, quoi. Toyota Land Cruiser, il est cool aussi. Volkswagen Multivan. Quelques petites motos. Petit KTM. Petits avions. Toujours le Piston Bully. La collection ADAC. Toujours au catalogue, les mini, les bus, les trams. Voilà. Toujours la même gamme, le même segment. Petite pensée à ceux qui collectionnent les véhicules de police. Franchement, ces Q, ils sont pas mal, quoi. Ils font pas mal de pays différents, donc ça, c'est cool. Là, on va passer au médecin, SAMU. Pompier. Taxi, char, fusée, avion, hélico, camion. Donc c'est toujours les mêmes trucs au catalogue. Donc si là il y a l'hélicoptère en nouveauté, des bulldozers, des camions de chantier, des grues, du farmer. Voilà, pour les amateurs de farmer, c'est pas du vilain farmer. Ah, l'humour. Les petits coffrets. Ça, c'est sympa. Ça, je l'ai vu en magasin, c'est plutôt sympa. Assez réussi. Des petits coffrets de 3 aussi là. Non, celui-là, tac. Du farmer. Encore du farmer. Des bateaux, des paquebots. Oh, des paquebots. Des bateaux de croisière. Franchement, ils sont pas mal. Hein. Des véhicules de chantier, des grues, de nouveau du farmer ou un 50e. Des ensembles attelage. Le petit bac, ça c'est sympa ça. Petit bac. Ah, le voici l'ensemble que j'avais vu. Dodge Charger et Dodge Challenger. Ça peut être sympa ça. On va voir en magasin, ça peut être sympa ça. Donc BMW i8. Classe E. Mercedes. Ah, que le profil y ressemblait un petit peu quand même. Ah, ça GG. Volkswagen T6 California. Donc ça devrait plaire à mon Nico. Ça aussi c'est pas mal ça. Volkner Mobile Performance. Tiens, la voiture et tu peux la glisser dedans.
des autocars, ça j'aime bien. Bon, ça reste du sécu. Du jouet solide. Un bel objet de collection. Assez varié avec beaucoup de gadgets. Des petits trous gommes, des ouvrants. Pas mal de détails. C'est franchement sympa. C'est pas mal pour les dioramas et compagnie. Donc là, c'est du CQ Super ou 1/50 encore. C'est pas mal, hein, ça. Du tracteur télécommandé. Est-ce qu'il y en a cette année? Des accessoires de ferme. Ah voilà. Application. Non, c'est sympa. Les tracteurs télécommandés. Des bulldos télécommandés. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!